entidades desde Europa a Estados Unidos. ¿Sabes qué pasó en Jacinto Arauz, La Pampa? Desapareció una mujer y aparentemente fue una abducción de un ovni. Il perd sa trace à 150 mètres. On entendait une sorte de bourdonnement étrange. Tout ce que je pouvais faire, c'était bouger mes mains, a-t-elle déclaré dans les médias. Il est rigoureusement impossible qu'elle ait marché 60 km vu sa condition physique. Elle a été transportée, oui, mais par qui ou par quoi? On a découvert un témoignage extérieur qui pourrait laisser penser qu'Irma a peut-être dit la vérité. Qu'elle a remarqué qu'elle avait une nouvelle blessure au crâne, une blessure dont elle ne connaît pas la cause. Cette région de la Pampa, il y a déjà eu des phénomènes étranges, inexpliqués. Camilo! Camilo! Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'actualité qui n'était pas prévue, qui n'a pas été facile à tourner aussi, parce que voilà, j'ai pas mal de soucis à gérer en ce moment, des soucis familiaux notamment, un certain nombre qui se cumulent. Je règle les problèmes les uns après les autres, mais ça va aller, hein, ça va aller, vous inquiétez pas. Et surtout, en attendant, the show must go on. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous faire cette vidéo. Je tenais vraiment à vous parler d'une affaire très mystérieuse, très intrigante, de disparition d'ailleurs, une femme qui a disparu dans des circonstances très étranges. C'est une affaire qui passionne à l'heure actuelle l'Argentine, l'Amérique du Sud aussi, ainsi que le reste du monde, hein. Les États-Unis, la Russie, on en a parlé un petit peu en France, mais je tiens vraiment à vous expliquer en détail ce qui s'est passé, parce que ça en vaut vraiment la peine. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des détails très très étranges, très intrigants. Voilà, on va aussi un peu partir aux frontières du réel, voilà, parce que le dossier s'y prête. Et puis voilà, on est à l'approche des fêtes de Noël, donc c'est bien de rêver aussi, de s'élever un petit peu et d'aborder des questions un peu plus paranormales. Voilà, donc on va partir en Argentine dans quelques instants. Je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter les faits et ensuite il y aura une partie commentaires et analyses. Mais avant toute chose, pour ceux qui découvrent mon travail avec cette vidéo, pour ceux qui aiment mon contenu, pour ceux qui souhaitent m'encourager à continuer à vous proposer des vidéos le plus souvent sur des sujets inédits, pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être prévenu de la sortie des futures vidéos. Merci à ceux et celles qui le feront. Donc on commence avec la présentation des faits. Donc on va partir en Argentine, plus particulièrement près de Jacinto Arauz, une ville de l'est de la province de La Pampa. Donc cette histoire s'est passée il y a très très peu de temps, hein, le mardi 16 novembre 2021. Donc cette histoire qui a été rapportée par des grands médias argentins, attention, tout ce que je vous raconte est sourcé, je ne fais que vous répéter ce que j'ai lu dans des articles de presse. Cette histoire n'a pas été rapportée par des sites internet farfelus. Non, non, elle a été rapportée par des journaux argentins plutôt réputés. Et cette histoire s'est passée dans une zone très rurale, hein, très isolée, assez peu peuplée, loin de l'agitation des grandes villes. Elle s'est déroulée dans une propriété, donc une ferme, située dans un secteur connu sous le nom de Cuatro Esquinas, à environ 25 km au sud-ouest de la ville de Jacinto Arauz. Donc ce mardi-là, vers 6h du matin, un homme, un père de famille, part au travail. Donc pour cet homme, c'est une journée ordinaire de travail qui démarre. Il s'absente quelques heures. Donc il quitte son domicile. Il laisse donc sa femme, qui s'appelle Irma Rick, son nom a été révélé dans la presse récemment, à la maison. C'est une femme qui a 55 ans. Ça peut être une femme au foyer. Précisons qu'ils vivent dans une zone assez isolée. Il n'y a pas beaucoup d'habitations dans le coin. On est vraiment dans la Pampa, là. Hein. C'est qu'à de le dire. Hein. La Pampa, c'est une plaine herbeuse qui est assez typique de l'Argentine. Vers 10h du matin, 4h plus tard, donc, l'homme revient chez lui.
Il s'est absenté quelques heures pour le travail et il repasse chez lui. Et là, il constate que la maison est vide. Il est étonné de ne pas voir sa femme. Il est un peu surpris. Il se dit qu'elle est peut-être sortie se promener ou pour une autre raison. Donc là, le mari, il s'inquiète pas trop au début. Il fait ses affaires. Mais là, les heures passent et il ne voit pas sa femme revenir. Et là, il commence à s'inquiéter quand même, parce que c'est très inhabituel qu'elle s'absente aussi longtemps. Il tente donc de l'appeler sur son téléphone portable. Elle ne se sépare jamais de son téléphone. Et là, c'est assez inquiétant parce qu'elle ne répond pas à ses appels non plus. Là, l'homme se dit que c'est pas possible de lui arriver quelque chose. Donc, il part à sa recherche. Il part dans les environs de la ferme, là. Dans la pampa, encore une fois, on est dans une zone qui est très dépeuplée, c'est très sauvage. Les voisins sont assez loin. Donc il la cherche pendant un bon moment dans les parages. Seulement, elle est nulle part en vue. Incapable de trouver sa femme, l'homme qui est très angoissé appelle aussitôt la police. Les forces de l'ordre sont assez réactives. Une dizaine de policiers et de pompiers arrivent sans tarder sur la propriété avec des chiens spécialement dressés dans la recherche de personnes disparues. Et là, ils démarrent une petite opération de recherche et de sauvetage. Une trentaine de proches et d'amis de la famille sont venus aussi apporter leur aide. Donc toutes ces personnes tentent de localiser Irma. Malheureusement, elle est introuvable. Là où ça commence à être un peu étrange, c'est que il semblerait que la police rencontre des difficultés dans son opération de recherche. Plusieurs détails sont particulièrement troublants. Premier détail, les chiens de recherche amenés par la police sur place parviennent à trouver l'odeur d'Irma sur le sol. Mais ils perdent sa trace à 150 mètres. Ils ont bien retrouvé la piste olfactive de cette femme autour de la maison. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés et ils ont fait marche arrière. Ils étaient complètement perdus. Second détail très intrigant, la police constate des interférences étranges. Par exemple, les techniciens ont des difficultés à géolocaliser le téléphone portable de la disparue. Il y aurait eu une perte de connexion. Là, il y a peut-être une raison technique. Peut-être que la batterie du portable d'Irma s'était déchargée. Mais bon, les techniciens de la police ont des difficultés. Donc là, déjà, c'est pas tout à fait ordinaire. La police constate qu'il y a des choses bizarres. Mais c'est pas fini. Le pire va suivre. Parce que, figurez-vous, et c'est écrit noir sur blanc dans les articles de presse, attention, on va apprendre que Irma, la femme disparue, a passé plusieurs coups de fil à ses enfants avec son téléphone portable. Et ce qui est très étrange, c'est que, apparemment, elle ne parlait pas au téléphone. On n'entendait pas le son de sa voix, mais une sorte de bourdonnement étrange. Comme s'il y avait du vent qui rentrait dans le micro. Vous savez, quand vous êtes au bord de la mer, quand il y a des brises de vent, ça fait un son très caractéristique. Là, c'était pareil. Donc là, ce bourdonnement, ce bruit de vent dans le portable, c'est très intriguant. Gardez ce détail en tête, on en reparlera à la fin. Apparemment, en plus, la police est incapable de géolocaliser le portable. Donc là, ce mardi, la police, les autorités, des bénévoles cherchent activement Irma dans le secteur pendant des heures, en vain. À la nuit tombée, on n'a toujours pas retrouvé Irma. Elle n'a toujours pas donné de ses nouvelles, à part ces espèces d'appels téléphoniques bizarres dans lesquels elle ne parle pas du tout, et on entend ce bruit étrange de bourdonnement, de vent. Donc la nuit passe, et on est maintenant le lendemain matin, le mercredi 17 novembre. Ce matin-là, Irma n'est toujours pas revenue à son domicile, elle n'a toujours pas donné de ses nouvelles. La police recommence à chercher activement Irma, dont la description a été transmise à toutes les patrouilles de police de la région. Et justement, une patrouille est en train de rouler dans un secteur près de Guatraré, à une soixantaine de kilomètres de l'endroit où Irma a disparu. Donc cette voiture de police est en train de rouler à proximité d'un poste routier, le poste routier de Guatraré, et là, l'un des policiers aperçoit quelque chose. Il voit une femme
assise au bord de la route. Donc les policiers s'approchent et ils se rendent compte qu'il s'agit d'Irma. Il s'agit bien d'Irma, mais elle a l'air complètement désorientée, dans un état d'angoisse prononcé, selon l'article de presse. Irma est assise comme ça et elle est incapable de parler. Dans la poche de sa veste, on va trouver son téléphone portable. On en reparlera plus tard, d'ailleurs. Donc on a retrouvé Irma, c'est une bonne nouvelle. Elle est certes en état de choc, elle est incapable de parler, mais elle est vivante. Il y a quand même un détail qui frappe les policiers. C'est la tenue d'Irma. Irma porte toujours les mêmes vêtements qu'elle portait au moment de sa disparition, 24 heures plus tôt environ, mais ses habits sont peu froissés et sont propres. On n'a vraiment pas l'impression qu'elle a passé une nuit dehors. De plus, ses chaussures, c'est pareil. Elles sont absolument propres. Il n'y a pas de poussière dessus, il n'y a pas de boue. Et c'est difficile à comprendre parce que si Irma a marché pendant des heures toute la nuit sur une distance de 60 km à travers la Pampa, qui est une plaine herbeuse avec de l'humidité, il peut y avoir des petites parts par moment, c'est étonnant que tous ces habits soient absolument propres. On a l'impression qu'ils sortent du pressing, il n'y a pas un gramme de poussière sur ses chaussures. Donc là, c'est quand même très étrange. La priorité à ce moment-là pour les forces de l'ordre, c'est de conduire tout de suite Irma à l'hôpital le plus proche, l'hôpital de Guatraré, pour qu'elle reçoive des soins. Apparemment, la femme est toujours en état de choc. Comme je vous expliquais, elle est complètement muette, elle ne parle pas du tout. Et aussi, elle souffre apparemment d'amnésie. Elle n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé depuis 24 heures. Donc quand ils apprennent la nouvelle qu'on a retrouvé Irma, la famille est soulagée, elle est très heureuse parce que si vous suivez mon travail, si vous lisez mes livres, si vous regardez mes vidéos, vous savez que malheureusement, beaucoup de disparitions se terminent mal. Là, on a retrouvé Irma, saine et sauve, en bonne santé a priori, même si elle a l'air un peu secouée. Donc la famille est vraiment très contente. Mais au fil des heures, les proches d'Emma commencent quand même à se poser des questions parce que pour eux, il est rigoureusement impossible qu'elle ait marché 60 km vu sa condition physique. Parce que Irma a un problème de surpoids et selon ses proches, il est impossible qu'elle ait marché une telle distance, quoi. Apparemment, au bout d'un kilomètre, elle était déjà épuisée. Donc pour eux, c'est vraiment impossible qu'elle ait fait 60 km à pied, même en 24 heures. Il est impossible qu'elle ait marché tous ces kilomètres. Il n'y avait aucune trace de poussière ou de saleté, ni aucun signe de fatigue qui laisse supposer qu'elle aurait pu faire ça. De plus, c'est une personne obèse, a déclaré Oscar Quique Mario, un ufologue argentin réputé. Un ufologue, c'est un spécialiste en phénomènes aériens non identifiés. Un spécialiste du sujet, quoi. Donc c'est déjà très surprenant, hein. Mais c'est que le début, vous allez voir, hein. Il y a vraiment du lourd qui va suivre. Irma est soignée à l'hôpital et son état s'améliore. Elle va mieux. Apparemment, elle arrive maintenant à communiquer, mais seulement par écrit. Elle écrit des messages aux infirmières, aux médecins autour d'elle. Et ce qu'elle écrit est vraiment incroyable. On dirait que des souvenirs lui sont revenus. Et elle se souvient maintenant de ce qui s'est passé avant qu'elle ne disparaisse. Elle raconte qu'elle était, après le départ de son mari, donc seule dans la maison. Elle était dans le salon, en train de boire du maté, qui est une infusion. C'est un petit peu une sorte de thé argentin qui a des vertus énergisantes. Voilà. Rien de plus banal, elle était dans le salon comme ça. Et elle a commencé à noter des incidents bizarres. Concernant son téléphone, d'abord, elle a remarqué qu'il y avait des stries, des sortes d'interférences sur son téléphone. Elle a aussi commencé à entendre un bruit bizarre, comme un bourdonnement, qui sortait de son téléphone portable. Mais après, elle s'est demandé si le bruit ne venait pas de dehors. Donc, elle est sortie de la maison pour trouver l'origine du bruit. Et à ce moment-là, apparemment, elle aurait été aveuglée par une lumière blanche très très forte. Et c'est la dernière chose dont elle se souvient.
la dernière chose dont elle se rappelle, jusqu'à ce qu'on la retrouve assise comme ça par terre, 60 km plus loin, le lendemain. En ce qui concerne le reste, elle est incapable de donner plus de précisions, de donner plus d'explications sur ce qui s'est passé pendant les 24 heures durant lesquelles elle a été absente. Dernier point, Irma a aussi expliqué que juste avant que la police ne la récupère, quand elle était assise là, à l'endroit où on l'a trouvée, Irma, qui avait son téléphone sur elle, a essayé de contacter ses proches, notamment ses enfants. Elle leur a envoyé des SMS. Apparemment, ses enfants ont essayé de lui passer des appels vidéo, mais Irma était incapable de parler. « Tout ce que je pouvais faire, c'était bouger mes mains », a-t-elle déclaré dans les médias. Elle était presque dans un état de paralysie, quoi. Elle pouvait plus bouger que ses mains. Donc c'est une affaire, un fait divers très très étrange, qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est extraordinaire au sens littéral du terme, même si, attention, il reste inexpliqué à l'heure actuelle, on n'a pas encore l'explication. Il y a peut-être une raison cartésienne, mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore trouvé. Irma elle-même se pose beaucoup de questions, elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Hein. Ça n'est pas forcément une fondue du bocal, une perchée, ça a l'air d'être quelqu'un, bon, la vie en milieu rural, c'est plutôt des fermiers, ce genre de personnes. C'est pas quelqu'un qui passe son temps à regarder des films de science-fiction, j'en ai pas l'impression, mais elle se pose beaucoup de questions. Et elle a elle-même, en toute naïveté, avancé l'idée qu'elle aurait été transportée par cette lumière sur 60 km. C'est l'une de ses déclarations. Certains d'entre vous vont se demander, et vous aurez tout à fait raison, de savoir si Irma a subi des examens plus poussés. Et effectivement, quand son état s'est amélioré, Irma a été transférée dans un hôpital plus important, celui de la ville de General Aja, une petite ville voisine, afin qu'on effectue des analyses plus spécifiques. Irma a ainsi passé toute une batterie d'examens à l'hôpital, et au stade actuel de notre connaissance, rien d'anormal n'a été détecté, a priori. Bien entendu, elle a toujours son problème d'amnésie sur les 24 heures durant lesquelles elle a disparu de la surface de la Terre, entre guillemets, mais les analyses n'ont rien révélé d'anormal. À part une chose, Irma a déclaré qu'elle avait une coupure cicatrisée à la tête, donc une blessure qu'elle n'avait pas avant de disparaître. Donc elle a remarqué qu'elle avait une nouvelle blessure au crâne, une blessure dont elle ne connaît pas la cause. « J'ai quelque chose qu'ils ont fait à ma tête », a déclaré Irma. À l'hôpital, on a fait passer un scanner à Irma et tout était parfait. Apparemment, c'est ce qui a été écrit encore dans un article. Précisons que Irma, à part son surpoids, ne souffrait d'aucune maladie particulière, d'aucun trouble mental. Elle n'était pas du tout connue pour ce genre de problème. Voilà, donc c'était l'histoire d'Irma, une histoire qui est quand même très intrigante, qui s'est passée il y a très très peu de temps en Argentine. Cette histoire sort vraiment de l'ordinaire. On est vraiment déconcerté quand on découvre cette histoire. Hein. On ne sait pas trop quoi en penser. Elle est très troublante. Est-ce que Irma, cette femme, a menti? Pour quelle raison aussi? Est-ce qu'elle voulait attirer l'attention? Où est-ce qu'elle dit la vérité? Et si elle a effectivement dit la vérité, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire qui paraît complètement insensée? Est-ce que l'explication pourrait être tout à fait rationnelle, cartésienne, ce qui est tout à fait possible, même si elle reste encore à être découverte? Ou est-ce que l'explication ne serait pas tout autre? Est-ce que l'explication ne pourrait pas nous échapper? Ce qui est sûr, c'est que cette affaire fait grand bruit en ce moment en Argentine. Elle intéresse aussi beaucoup de personnes partout autour de la planète et on peut comprendre pourquoi, parce que voilà, elle paraît quand même assez crédible, entre guillemets, même s'il faut toujours évidemment rester prudent. Elle a quand même été rapportée par des médias mainstream en Argentine, ça a l'air assez documenté quand même, il y a une témoin qui est là, on va voir qu'il y a un autre témoignage aussi dans quelques instants qui tend peut-être à accréditer ce que raconte Irma.
Restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous dis, vous allez apprendre encore plein de choses sur cette affaire qui mérite vraiment qu'on s'attarde sur elle, qu'on essaie de l'analyser un petit peu. On va maintenant passer à la partie commentaires et analyse afin de tenter d'apporter un peu de lumière sur cette énigme qui reste totale à l'heure actuelle. Bah déjà, on va commencer par faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Je suis sûr que parmi vous, certains se demandent si cette femme n'aurait pas bu de l'alcool ou pris une substance illicite avant de voir cette mystérieuse lumière. Il semblerait que non. Elle a juste bu du maté, qui est une infusion populaire assez inoffensive. À moins que le maté ait été empoisonné, à moins que quelqu'un ait mis une drogue hallucinogène dans son maté. Mais bon, je pense que la police va faire des investigations. Ils ont ouvert une enquête. Bon, je n'y crois pas trop. Et de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est que même si Irma avait pris de la drogue, même si elle avait bu, même si on l'avait fait absorber à l'insu de son plein gré une substance hallucinogène, du LSD, dans son maté, elle ne pouvait pas se rendre par elle-même à pied à l'endroit où on l'a trouvé, à 60 km. Rappelez-vous que ses proches ont bien indiqué que au bout d'un kilomètre, elle était déjà épuisée. Ils n'ont pas imaginé une seule seconde qu'elle aurait pu faire 60 km dans la nuit par ses propres moyens. Voilà, donc il semblerait que il y a un problème qui se pose là. Il s'est sûrement passé quelque chose de très inhabituel ce jour-là. Non seulement Irma n'avait pas la capacité physique pour se rendre du point A au point B, mais en plus ses vêtements et ses chaussures étaient propres. Donc l'une des seules certitudes qu'on a dans ce dossier, c'est que Irma a été transportée du point A au point B. Elle a été transportée, oui, mais par qui ou par quoi? Ça reste l'une des plus grosses zones d'ombre dans cette affaire. On peut imaginer que peut-être que Irma a pu avoir un épisode mental comme ça qui s'est déclenché brusquement, même si elle n'avait jamais eu d'antécédent, et qu'elle serait partie de la propriété, et puis voilà, qu'elle serait allée sur une route proche et qu'elle aurait fait du stop. Seulement, je pense que la personne qui l'a pris en stop aurait témoigné, parce que cette affaire a vraiment été énormément médiatisée en Argentine. On en parle partout dans le pays à l'heure actuelle. Et même si Irma aurait été pris en stop, ça n'explique pas tout le mystère. Rappelez-vous toutes les difficultés rencontrées par la police pour retrouver Irma. Les interférences constatées par la police scientifique sur son téléphone portable. La difficulté des chiens à retrouver sa piste olfactive autour de la maison, etc. En ce qui concerne la mystérieuse lumière blanche, aveuglante, qu'aurait vue Irma avant de disparaître et de tout oublier, on a un problème parce qu'on est sur du déclaratif. On ne sait pas si cette lumière a réellement existé. Peut-être qu'elle était seulement dans la tête d'Irma. Seulement, on a découvert un témoignage extérieur qui pourrait laisser penser qu'Irma a peut-être dit la vérité. Le lundi 15 novembre 2021, au soir, un chauffeur routier était en train de rouler entre Darreguera et Bahia Blanca. Voilà, il avait un trajet d'environ 200 km à faire. Pour lui, c'était un trajet de routine. Mais vers 23 h, il était en train de rouler vers la section de la route entre 17 de Agosto et Villa Iris quand il aurait observé une lumière assez forte au-dessus du sol dans le lointain. Il a d'abord pensé à une antenne avec une lumière au sommet. Le petit problème, c'est qu'il n'y a aucune antenne dans le secteur. Et puis, il a aussi constaté que cette lumière bougeait. Apparemment, la lumière est descendue vers l'horizon en déclinant. Et elle s'est soudain rallumée de manière très intense avant de disparaître. Bah pour lui, c'était juste anecdotique. Il a constaté ça en roulant, voilà. Mais quand il a entendu parler de l'histoire d'Irma, un peu plus tard dans la presse, là, il a fait le lien. Parce que ça s'est passé très près de l'endroit où Irma avait disparu. Ça n'a peut-être aucun rapport avec l'histoire d'Irma parce que l'observation faite par le routier date du lundi soir, tard dans la nuit, et Irma a disparu le mardi matin, le lendemain. En tout cas, le chauffeur routier a indiqué qu'il voyait souvent des lumières étranges dans la région. Encore une fois, tout ce que je vous raconte est sourcé. Hein. Toutes ces informations sont sorties dans des journaux assez sérieux, notamment La Arena, qui n'est pas un journal de farfelu, voilà, c'est comme si l'information était sortie, je sais pas moi, dans le journal Le Parisien en France
La Arena, c'est un quotidien qui est distribué dans toute la province de la Pampa et du centre de l'Argentine. Donc l'émission n'est pas encore terminée, loin de là, ne partez pas. On va maintenant essayer d'apporter un peu plus de lumière à ce mystère, on va plonger un peu plus dans l'énigme et on va aussi élargir nos esprits. La majorité des observateurs, commentateurs, des sites internet, des médias qui se penchent sur cette affaire, qui en parlent, avancent le terme d'abduction paranormale. Voilà, c'est un terme qui revient énormément. Il faut rester extrêmement prudent, bien entendu, mais c'est vrai que quand on voit toutes les caractéristiques de cette affaire, il y a de quoi se poser des questions. Je ne peux pas continuer à approfondir l'analyse de ce dossier sans m'assurer que vous avez tous un niveau de connaissance minimum pour bien appréhender la suite. J'ai bien conscience que dans mon public, j'ai différents types de spectateurs et spectatrices. Il y a des gens qui me suivent depuis mes débuts, quand j'ai fait mes premières vidéos sur Nura TV, la web TV dédiée à l'inexpliqué, sur laquelle on parle beaucoup de paranormal, d'ufologie. D'ailleurs, j'en profite pour saluer ces spectatrices et spectateurs de la première heure. Voilà, on est entre nous, je prends le temps. Merci pour votre fidélité. Je salue aussi mes lecteurs, d'ailleurs, parce que moi, j'ai commencé par l'écriture de romans. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion même de rencontrer des gens lors de dédicaces, des festivals, lors de conférences en public plus tard. Merci à vous, je ne vous oublie pas, rassurez-vous. Je sais d'où je viens, mais je sais que mon audience grandit aussi, j'ai des nouveaux spectateurs qui arrivent, des spectateurs qui sont, eux, plus cartésiens, qui viennent plutôt du true crime. Eux, ils ne connaissent pas du tout ce domaine de l'inexpliqué. C'est peut-être quelque chose qui les effraie ou qui les désintéresse. Bon, c'est tout à fait leur droit. Puis après, il y a des gens aussi qui ne connaissent tout simplement pas ces sujets. Voilà pourquoi je vais faire, avant de continuer, quelques rappels basiques, vraiment pour amener à chacun un minimum de connaissances. Je trouve que c'est très important de faire ces rappels qui sont très essentiels, surtout en ce qui concerne l'ufologie, quoi. Avant toute chose, je vais démarrer sur les ovnis. Alors, tout ce que je vous raconte, c'est sans note, hein. C'est pas préparé, mais c'est vraiment, vraiment pour rappeler ces précisions qui sont vraiment fondamentales, je trouve. Les ovnis, objets volants non identifiés. L'erreur courante chez les gens, c'est dès que vous leur parlez d'ovnis, tout de suite, eux, ils voient une soucoupe volante. Voilà, c'est les petits hommes verts. Voilà. Mais bon, non. Déjà, à la base, un ovni, objet volant non identifié, c'est juste un objet qu'on voit dans le ciel et on ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas à l'identifier. Voilà. D'ailleurs, il vaut mieux utiliser le terme phénomène aérien non identifié, qui est beaucoup plus juste parce que souvent, il s'agit plus de phénomènes que d'objets. La majorité des phénomènes aériens non identifiés, qu'on surnomme aussi PAN, P-A-N, ont une explication rationnelle. Ça peut être, par exemple, un phénomène météorologique. On connaît le fameux, par exemple, nuage lenticulaire. Voilà, c'est un nuage en forme de lentille. De loin, on pourrait penser qu'il s'agit peut-être d'une soucoupe volante. Voilà. Il y a aussi des phénomènes astronomiques, par exemple une rentrée atmosphérique, voilà, une astéroïde qui rentre dans l'atmosphère ou un débris de satellite, par exemple, voilà, ça peut donner quelque chose de très surprenant dans le ciel. Il y a aussi tout simplement des erreurs d'identification aussi. Voilà. Bref, 80% des phénomènes aériens non identifiés ont une explication rationnelle. On peut souvent le déterminer après enquête. Voilà. Il faut savoir qu'en France, 20% des phénomènes aériens non identifiés n'ont pas d'explication. Encore une fois, ça ne signifie pas pour autant qu'il y a des extraterrestres derrière ou du paranormal. Non, c'est qu'on n'a juste pas l'explication. Voilà, tout simplement. Ce qu'on appelle l'ufologie, c'est l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Voilà. Et donc, les ufologues, ce sont les spécialistes, entre guillemets, des phénomènes aériens non identifiés. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Franck Morin, un ami qui est l'un des meilleurs spécialistes sur le sujet en France. Donc selon moi, parce que je ne suis pas ufologue encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc j'espère ne pas raconter trop de bêtises. Certains ne sont peut-être pas d'accord, hein, mais bon, c'est leur droit. Mais d'après ce que j'en ai compris, moi, en France, il y a 20% de phénomènes aériens non identifiés qui n'ont pas d'explication. C'est à peu près les statistiques hein, qui étaient données par le GEPAN, je crois, qui est d'ailleurs une structure officielle qui traite le sujet dans notre pays. Ces 20% de cas non expliqués, attention, comme je vous l'ai déjà dit,
ça ne signifie pas forcément que c'est 20% de cas paranormaux ou extraterrestres. Non, c'est qu'on n'a pas l'explication. Il y a peut-être une explication tout à fait rationnelle qui existe. On ne l'a tout simplement pas trouvée. Bien entendu, des canulars existent. C'est clair, c'est très très clair. Surtout avec Internet, on a des vidéos truquées, on peut avoir des images aussi bidonnées. Mais contrairement à une idée reçue, le nombre de canulars est beaucoup plus faible qu'on pourrait penser. Franck Morin m'avait indiqué il y a plusieurs années que les canulars, c'était environ 1% des observations. Donc c'est très 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 faible. Ces 20% de cas non expliqués, ça soulève des interrogations. Ça crée un certain doute aussi, parce qu'il faut dire aussi les choses. Il y a certains phénomènes qui sont extrêmement troublants. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à des formes de vie intelligentes. Vous avez déjà vu des vidéos comme ça de lumières dans le ciel qui ont un comportement intelligent. Ces lumières qui font des accélérations incroyables et que même les pilotes de chasse n'arrivent pas à rattraper. Vu qu'une partie de ces observations, de ces phénomènes n'a pas d'explication, les fameux 20%, certains envisagent l'impossible, entre guillemets, des explications qui dépassent l'entendement. Notamment, peut-être que ces phénomènes aériens seraient causés par une forme de vie ou d'intelligence venue d'ailleurs. Mais il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'hypothèse extraterrestre n'est qu'une piste parmi d'autres. Certains ufologues privilégient d'autres pistes. Il y a aussi la piste militaire, par exemple, qui est tout à fait plausible. Hein. Peut-être que tous ces phénomènes aériens sont provoqués par l'homme, finalement. On sait que certaines grandes puissances de ce monde ont développé des prototypes d'avions révolutionnaires. Et peut-être que tous ces phénomènes sont causés par des expérimentations, par des tests. Ce sont peut-être des prototypes secrets, etc. Donc il y a la piste militaire, oui. Il n'y a pas que la piste des extraterrestres. Et il y a aussi la piste paranormale, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de pistes. On va maintenant parler d'abduction. Alors encore une fois, tout ce que je vous dis ne sera pas exhaustif, ça ne sera pas complet, je ne suis pas ufologue, et puis bon, on ne va pas passer 2 heures à parler de ça non plus, voilà. C'est vraiment un rappel d'informations basiques, je ne pourrais pas tout dire, hein, évidemment. On va maintenant parler d'abduction, parce que c'est clairement le terme qui revient lorsque les médias traitent ce fait divers. Bah déjà, abduction, ça vient du terme anglais abduction, ça veut dire kidnapping. Mais bon, là, il est clairement question d'un enlèvement par une forme de vie supposément venu d'ailleurs. Voilà, c'est quand on parle d'abduction, souvent c'est ça, on fait encore l'amalgame avec des enlèvements qui seraient effectués par des extraterrestres. Voilà. Et c'est vrai, c'est un fait. Quand on analyse ce fait divers survenu il y a quelques semaines en Argentine, quand on étudie l'histoire supposément vécue par Irma, parce qu'encore une fois, ce sont essentiellement des propos rapportés, il y a beaucoup de points communs avec les récits de personnes prétendument enlevées par des extraterrestres. Premier point commun, le lieu. Irma a disparu dans une propriété isolée dans la Pampa et il semblerait que les cas d'abduction surviennent beaucoup en zone rurale, beaucoup plus à la campagne qu'en ville. Sur des petites routes et puis voilà, il leur arrive des bricoles, voilà. Donc le lieu, c'est un premier point commun, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, beaucoup d'autres. Hein. Autre point commun, la lumière aveuglante. Alors là, c'est un classique, hein, c'est un incontournable pratiquement dans tous les cas supposés d'abduction. Et puis c'est un peu l'ADN du phénomène OVNI. Voilà, souvent, les gens voient des lumières étranges dans le ciel. Souvent, ces lumières ont en plus un comportement intelligent. Elles bougent, elles évoluent, elles interagissent avec les gens. Alors, autre point commun, mais bon, celui-là n'est pas forcément systématique, mais bon, le voyage impossible. On voit bien que dans le cas présent, Irma a été transportée, c'est indéniable. Elle n'a pas pu aller du point A au point B par ses propres moyens. Elle a donc été transportée.
Par quoi, ça, c'est une question qui reste en suspens. Point commun suivant, la technologie qui dysfonctionne. Alors encore une fois, ça c'est un incontournable, ça revient très 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 souvent dans les récits de rencontres avec des ovnis, d'abductions, c'est la technologie qui dysfonctionne. Voilà, on voit bien que dans l'histoire d'Irma, son téléphone portable a eu des interférences, et la police aussi a eu des problèmes avec la technique dans cette affaire. Elle n'arrivait pas à géolocaliser le portable. Autre point commun qui revient assez souvent, le bourdonnement. Rappelez-vous qu'Irma a parlé d'un bourdonnement qui sortait de son téléphone et puis après, elle s'est demandé s'il venait pas de l'extérieur de la maison. Voilà pourquoi elle est sortie. D'ailleurs, il y a un second témoignage qui atteste de la réalité de ce bourdonnement. Rappelez-vous de ce qu'ont dit les proches d'Irma. Ils ont expliqué que quand ils ont essayé de l'appeler, ils entendaient ce bourdonnement aussi. Ils ont une espèce de bruit de vent. Ce bourdonnement, c'est quand même assez troublant parce que beaucoup de prétendus témoins d'OVNI, beaucoup de personnes qui en auraient approché de près, nous rapportent qu'il y a souvent des sons un peu bizarres qui émanent de ces choses, et notamment parfois des bourdonnements. Point commun suivant, l'amnésie. Et là, c'est encore un classique chez les personnes prétendument abductées. Beaucoup de personnes qui auraient vu des ovnis ou qui auraient été enlevées à bord de ces engins, à leur retour, souffrent d'amnésie, de perte de mémoire. Ils sont incapables de dire ce qui s'est passé pendant le temps où ils ont disparu. Chez certains d'entre eux, la mémoire revient par la suite, souvent par le biais de séances d'hypnose régressive. C'est un fait, Irma souffre apparemment d'amnésie depuis cette fameuse journée où elle a vu cette lumière. Elle est visiblement dans un état de conscience modifié. Alors attention, on ne peut bien évidemment pas exclure qu'elle joue la comédie, évidemment. Ou alors, elle est peut-être sincère, peut-être qu'elle a réellement perdu la mémoire, mais pour une autre raison aussi. C'est un peu la complexité du phénomène OVNI. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de commentaires et c'est pas fini. On continue. Point commun suivant, et celui-là c'est encore un incontournable, le missing time, le temps manquant. Beaucoup de personnes prétendument abductées perdent la notion du temps. Et là encore une fois, c'est le cas d'Irma parce que voilà, elle ne savait plus trop combien de temps elle avait disparu quand on l'a retrouvée. Elle se rappelait juste d'avoir vu cette lumière et c'est tout. Et elle s'est retrouvée ensuite à l'endroit où la police l'a récupérée. C'est comme si elle avait perdu un certain nombre d'heures de sa vie quelque part, comme si du temps lui manquait. C'est donc ce qu'on appelle le missing time. Point commun suivant, il ne reste plus que deux, mais ceux-là sont assez déterminants. La blessure étrange. Rappelez-vous que Irma a constaté qu'elle avait une coupure cicatrisée à la tête. Une blessure qu'elle n'avait pas avant de disparaître. Elle n'a pas su quelle était l'origine de cette blessure. Ça, c'est une caractéristique qu'on rencontre souvent dans les récits de personnes prétendument abductées. Dans les scénarios classiques, voilà, par exemple, un couple se promène en voiture sur une route déserte, la nuit. Tout à coup, ils observent une lumière dans le ciel. Leur voiture a par exemple un problème technique, c'est-à-dire le moteur cale, le moteur s'arrête. Toute l'électricité est coupée à bord. Et puis voilà, et souvent, ça s'arrête là pour eux, ils ont un blackout, c'est-à-dire qu'ils ne se rappellent plus de rien. On les retrouve un peu plus tard, un peu comme Irma, quelque part. Ils souffrent d'amnésie, ils sont dans un état de conscience modifié, comme ça. Et par le biais de séances d'hypnose régressive, ils se rappellent alors ce qui se serait passé. Et souvent, très très souvent, ils rapportent avoir été dans des lieux inconnus, hein, qu'on peut penser être justement les objets qu'ils ont vus, les lumières qu'ils ont vues dans le ciel, voilà. Et ils ont été en contact aussi avec des êtres inconnus et ils ont subi des expériences, souvent, des expériences au but inconnu. Je vous raconte tout ça parce que
Les personnes prétendument abductées, après, souvent, il peut y avoir des blessures, des traces de ponction, d'implants aussi. C'est pour ça que la coupure cicatrisée de d'Irma, c'est quand même assez intriguant, quoi. Qu'est-ce qui lui a causé cette blessure? On ne peut pas s'empêcher de penser au récit classique d'abduction, quoi. Est-ce que on ne lui aurait pas fait une opération chirurgicale au but obscur? On n'en sait rien. En tout cas, ça alimente effectivement l'hypothèse d'une abduction paranormale. Dernier élément, c'est pas vraiment un point commun, mais en tout cas, moi, c'est sans doute l'élément qui me trouble le plus, c'est sans doute ce qui me semble le plus mystérieux dans cette affaire, c'est le fameux bruit de bourdonnement, voire de vent entendu au téléphone. Quand les proches d'Irma ont essayé de l'appeler, ils ont expliqué qu'elle ne parlait pas, ils n'entendaient pas sa voix, ils entendaient juste un bruit de vent dans le téléphone, quoi, qui saturait le micro. Et ça, c'est quand même très étrange, parce que imaginons l'hypothèse la plus folle. Imaginons que Irma ait effectivement été abductée par une forme venue d'ailleurs. Et si Irma a effectivement été transportée par voie aérienne, si elle a été transportée dans les airs, ça pourrait peut-être expliquer les bruits de vent dans son téléphone. Après, attention, il y a quand même une explication rationnelle. Hein. Peut-être que Irma était tout simplement quelque part dans la pampa, sur une butte un petit peu. Peut-être qu'il y avait des bourrasques de vent qui s'engouffraient dans le micro de son téléphone portable. Et voilà pourquoi il y avait ce bruit bizarre. Attention, c'est tout à fait possible. Mais voyez, il y a quand même tout un faisceau d'indices qui laisse planer un doute. Quoi, qui laisse planer un doute. Voilà. À l'heure actuelle, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que ce fait divers déchaîne les passions, et puis que voilà, qu'on s'interroge, parce que c'est quand même une histoire qui n'est pas banale, quoi. Donc voilà, est-ce que cette femme a dit la vérité? Est-ce que c'est une mytho qui raconte n'importe quoi? Et si elle a dit vrai, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière l'expérience très inhabituelle qu'elle a vécue? Personne n'est en mesure de répondre à l'heure actuelle. Bon, je vous avouerai que pour l'instant, moi, je n'ai pas d'avis tranché sur cette affaire. On n'a pas assez d'éléments, il faut attendre la suite des événements. Peut-être qu'Irma a dit vrai, peut-être qu'elle a menti aussi. Peut-être qu'elle a inventé toute cette histoire pour attirer l'attention ou pour rechercher de la notoriété. Certains sont prêts à tout pour être célèbres, entre guillemets. Peut-être aussi qu'elle a mis sur pied cette histoire avec la complicité de sa famille pour rechercher un intérêt financier. Peut-être que par la suite, elle va monnayer son histoire. Mais c'est pas sûr non plus, parce que voilà, on est dans la pampa, on est dans une zone rurale, ce sont des fermiers, ce sont des gens très simples. Souvent, la majorité de ces gens-là, ils veulent juste rester tranquilles et puis voilà, pas faire parler d'eux. Hein. C'est un peu à double tranchant de raconter ce genre d'histoire. Et puis aussi, il faut savoir une chose, c'est que cette région de la pampa, il y a déjà eu des phénomènes étranges, inexpliqués, tels que des mutilations animales de bétail, on a retrouvé des cadavres d'animaux morts. Ça, encore une fois, c'est très très courant dans le cas du phénomène OVNI. Certains associent les mutilations animales avec le phénomène OVNI. Je vous renvoie sur des émissions sur le sujet. Notons qu'il y a eu aussi un autre cas d'abduction, mais très célèbre, celui-là dans la région, qui s'est déroulé en 1983. Ça s'est passé à Winifreda, donc une ville à moins de 300 km de l'endroit où a disparu et réapparu Irma. La personne abductée était un homme qui s'appelle toujours Julio Plattner, mais lui, il a vraiment connu un scénario très classique d'abduction, c'est-à-dire que voilà, il serait allé dans un endroit où il aurait rencontré des petits êtres étranges et il aurait subi des expériences, etc. À son retour, un médecin aurait d'ailleurs noté qu'il avait une ponction au niveau du bras. Il aurait peut-être subi des examens médicaux. Voilà, tout ça, c'est très classique dans les récits d'abduction. Près de 40 ans après les faits, Julio Plattner continue de témoigner. Il n'a jamais changé de version et il affirme toujours avoir vécu ce qu'il a vécu. Pour en finir avec les abductions, je vais quand même mentionner l'affaire Travis Walton, dont j'ai parlé
à la télévision du temps où je participais encore à Enquête Paranormale. Allez, pour se faire plaisir, on va revoir la bande-annonce de cette émission. En novembre 1975, en Arizona, des bûcherons du service des forêts allaient être les témoins de l'un des cas d'enlèvement les plus mystérieux de ces 50 dernières années. Ce cas d'enlèvement par des extraterrestres va faire le tour du monde. Ce cas reste unique dans l'histoire. 50 ans après les faits, l'énigme reste totale. Travis Welton, 22 ans, est frappé par une étrange lumière bleue avant de disparaître plusieurs jours durant. Ses collègues racontent avoir été suivis par un objet volant non identifié. Ils reviennent pour lui porter secours, mais chose curieuse, il n'y a aucune trace de lui. Que s'est-il réellement passé ce soir-là, au cœur de la forêt d'Apache Seedgreaves, en Arizona? Travis Walton et ses collègues ont-ils dit toute la vérité? On est face à un homme qui affirme avoir été enlevé par des extraterrestres et qui va donner des détails hyper précis. Tous les témoins vont passer au détecteur de mensonges. Non seulement ils vont tous réussir le test, mais 45 ans après, personne n'a changé de version. Voici la terrifiante histoire de Travis Walton, l'homme qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres. Je pense que vous ne pouvez plus revoir cette émission en replay nulle part, malheureusement. Par contre, vous pouvez faire plusieurs choses. Si vous intéressez à cette affaire, vous pouvez acheter mon livre Disparu Nature USA tome 2 et aussi regarder l'émission que j'avais fait sur Nuria TV l'an dernier. J'avais fait une vidéo complète sur l'affaire en compagnie de mon ami Guillaume, voilà, que je salue au passage. Tout à l'heure, on a vu Nora qui avait participé à Enquête Paranormale. Regardez ces émissions si ça vous intéresse. C'est une affaire qui est assez intéressante. On arrive à la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimé, pensez à la liker et aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. Je me rabâche, mais bon, c'est pour les nouveaux arrivants. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est une vidéo qui n'était pas facile à faire pour moi par manque de temps, parce que voilà, c'est un peu le missing time aussi pour moi en ce moment. Je suis pris par des choses à régler à droite à gauche, mais je tenais vraiment à vous raconter cette histoire parce qu'elle en vaut vraiment la peine, et puis c'était aussi l'occasion d'élargir un peu nos perspectives, voilà, de rêver un peu. Noël approche, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches si vous avez la chance d'en avoir, et pour les personnes seules, bah écoutez, bon courage. En parlant de Noël, je tiens à remercier chaudement les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, elles se reconnaîtront. Sachez que si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez aussi m'aider par mon site internet. Voilà. Notamment, si vous avez un compte PayPal, vous pouvez faire un don PayPal directement sur le site. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ces dons me permettent d'acheter du nouveau matériel. Ça me permet aussi de temps en temps de faire des enquêtes sur le terrain, comme j'en ai fait l'an dernier, etc, etc. Ça me permet aussi de m'acheter du café, parce que je bois beaucoup de café quand j'écris, quand je travaille. Pas que j'en boive trop en ce moment, parce que je suis un peu speed déjà, mais bon, voilà. En tout cas, merci vraiment à ceux qui font ces petits gestes, voilà. Et je vous laisse, et je vous dis à bientôt en 2022 pour de nouveaux mystères. Soyez rassurés, j'ai beaucoup d'affaires en stock. Des affaires qui sont passionnantes, des affaires qui sont inédites le plus souvent. Et voilà, voilà. Donc, on se retrouvera l'an prochain si vous êtes toujours là. J'espère quand même. Mais d'ici là, ne disparaissez pas.